Eh bien, Kounia, nous allons parler de un grand musicien qui était fait en pile pour l'orchestre septentrional. Et nous allons dire tout, l'orchestre septentrional était fait en pile pour grand musicien ça, qui c'est Roger Collat, qui naît le 6 janvier 1937 dans la cour au Cap. Et fondou bien, monsieur pas né exactement dans la ville au Cap. Terrier Rouge, c'est là que j'ai sorti. Eh bien, monsieur, c'est un homme qui fait études dans la ville au Cap. Et après rhétorique, monsieur était marchand tailleur, était à l'apprendre tailleur et artiste peintre. Et monsieur, c'est un gros garçon, tout très intelligent. Eh bien, Roger Collat est venu avant de rentrer comme chanteur. Eh bien, monsieur était cap travail dans l'aviation civile. Alors, fort souvent, grand pile monde qui cadeau monsieur était militaire, on dit non. Lors qu'on a travaillé dans genre de institution ça yo, yo était qu'on fort souvent habillé au exemple clair. Et grand pile monde qui était docteur, yo était qu'on prend la médecine ou du moins l'hôpital militaire, yo était qu'on habillé lui bal grade normalement sans que le pas même passer, peut-être il capable passer tout petit dans l'institution, montrer comment on sait le bagage fait tactiquement. Mais ce n'est pas monde qui était entré dans l'école académie ou bien qui était là comme militaire qui devient docteur. En pile là, d'ailleurs, souvent, c'est le lauréat et il fait un devis et puis il fait un docteur. Mais c'est même bien tout, Roger Collat travaille dans l'aviation civile et comme technicien. Eh bien, c'était un petit plaisir chanter comme ça. Eh bien, Roger Collat est arrivé dans Radio Citadelle, dans le Cap Haïtien, le septentrional, tu as reformé et musicien après expérience, l'orchestre qui a fait 4 mois dans la ville au Prince. Eh bien, de retour dans la ville au Cap, il a fait un changement. Ça, Roger Collat, c'est un monde qui est entré. Donc, nous avons dit dans la deuxième génération, l'orchestre septentrional comme chanteur. L'idée pour la capacité musicale, c'était en 1971-72, le Roger Collat a interprété la musique de Augustin Lara, qui est un Mexicain. Eh bien, Roger Collat est sorti comme vedette, non seulement pour tout le pays, mais l'idée fait valoir l'orchestre septentrional. Roger Collat, li gagnait une capacité comme compositeur et monsieur était fort souvent associé avec Alfred Moïse yon toro l'orchestre septentrional. Et bien Sfando Ulrich Pierre lui comme maestro, monsieur c'est un monde qui composait crème le composer musique remettre à Roger Collat et Roger Collat exécuté comme si c'était lui-même qui était composé musique là. Comme nous déjà nous parlons là assez pour nous expliquer qui est-ce qui est Roger Collat, un peu passage de Roger Collat. Toujours branché sous 1580 Radio Concorde, émission PAM toujours passée chaque jeudi, samedi. Nous toujours parlons de artistes Sayo et qu'on soit doit connaître un spécial de Roger Collat. Qui est-ce qui est Roger Collat? Qui est-ce qui est Guy Durosier et qui est-ce qui est n'importe musicien nous capable de parler de lui? Ok. J'aimerais bien savoir où est-ce que tu es allée, Marie-Lou. Reviens bien vite. Oh, si le ciel me donnait une chance, celle de lire même une fois l'an. Ça fait belle lurette.